Bonjour à tous, je suis Lily West et aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie qui s'appelle Burning the Roadhouse Down. On va brûler le relais, carrément, tellement on va faire la fête en fait. Donc une danse de Rob Fowler sur une musique de Garth Brooks et Steve Wariner qui s'appelle aussi Burning the Roadhouse Down. La chorégraphie fait 34 temps, attention, donc on aura 4 sections de 8 temps plus 2 temps en plus, sans tag et sans restart. Alors on commence. Posez-vous sur le pied gauche en marchant. On marche pied droit, pied gauche. Mambo step, donc ça nous donne rock step en avant pied droit, on revient sur le pied gauche et on fait un pas en arrière pied droit. Attention avec les comptes du début, ça nous fait 1, 2, 3 et 4. Ensuite on recule, pied gauche, 5, pied droit, 6 et coaster step, 7 et 8. On fait cette première section, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Avec les verbes, 6, 7, 8, marche, marche, mambo step, recule, recule, coaster step. On continue avec un pas de charleston simplifié, donc on va l'appeler pas du black bottom. Pointe droite en avant, pied droit en arrière, pointe gauche en arrière, pied gauche en avant. Parce que si ça avait été vraiment le pas du charleston, on aurait fait des jeux de pieds en même temps. Donc là c'est plus simplifié, pointe droite en avant, pied droit en arrière. Pointe gauche en arrière, pied gauche en avant, et on va faire un jazz triangle avec un quart de tour à droite. On croise le pied droit devant le pied gauche en arrière, quart de tour à droite, pied droit à droite, et touch, pied gauche à côté du pied droit. On garde bien le quadruple sur le pied droit. Si on refait cette section-là, à partir du pas simplifié du charleston, 6, 7, 8, pointe droite, pied droit en arrière, pointe gauche, pied gauche en avant, on croise en arrière, quart de tour et pointe. Avec les comptes, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux premières sections, on marche. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième section, même pas du tout sur le pied droit et on part à gauche avec un pas. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Triple step gauche à gauche, gauche, droite, gauche. Continue directement avec un touch, pied droit, côté pied gauche. Un pas à droite, et là, on va faire un heel pas vers l'intérieur avec le pied gauche, et on revient à sa place initiale. C'est-à-dire qu'on a le poids du corps sur le pied droit, et on va pivoter le talon gauche vers l'intérieur, et on revient à sa place initiale. On fait un heel pas à l'intérieur avec le pied droit aussi, mais on ne revient pas à sa place initiale, on fait directement triple step droit à droite. Droite, gauche, droite. On va bien sûr reprendre cette troisième section, puisqu'elle n'est pas très compliquée, mais il faut quand même enchaîner tout ça. Donc, un pas à gauche avec le pied gauche, on ramène, gauche, droite, gauche, touch, un pas à droite, heel pas gauche, on revient à sa place, heel pas droit, et directement triple step. On le refait pour l'instant toujours sans les comptes, à gauche, on ramène, gauche, droite, gauche, touch, à droite, heel fan, heel triple step. Maintenant, on va essayer avec les comptes. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On le refait. Cette fois-ci, donc, je ne donne pas les comptes, mais on le fait quand même en mesure. Et je donne les paires. 6, 7, 8, gauche, on ramène. Triple step, touch, droite, heel, pan, heel, triple step. Encore une petite fois, un tout petit peu plus vite avec les comptes. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Allez, on refait ça du début. Côté corps pied gauche. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À gauche. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On a le poids du corps sur le pied droit. On continue avec des rock steps en allant gauche. On revient sur le pied droit. À gauche, on revient sur le pied droit et sailor step. Sailor step. Un petit rappel pour le sailor step. Je me mets vers midi. On a le poids du corps sur le pied droit. On croise le pied gauche derrière le pied droit. Pied droit à droite et on remet le poids du corps sur le pied gauche. Et ça, on fait sur 1 et 2. En l'occurrence, dans la danse, on va faire. Rock, step, sailor, step. Sur les comptes,
1 et 2 et 3 et 4. Si on fait la même chose de l'autre côté, 5 et 6 et 7 et 8. Maintenant, on se remet vers notre bon mur. Pour cette section-là, on a levé son pied droit et on fait notre rock step à la main gauche. Rock, step, sailor, step. Et on fait effectivement la même chose de l'autre côté. Rock, step en avant, rock step à droite et sailor, step. Avec les comptes, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Du début. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à gauche, 1, 2, 3 et 4, et 5 et 6 et 7 et 8, je vois que c'est 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On a nos fameux deux temps, puisqu'on a déjà fait nos quatre sections, il n'y a plus que deux temps. On va faire un touch, pied gauche avec le pied droit, et en même temps on fait un clap. Et un stomp, on vient de la gauche. Surtout un stomp, ça veut dire qu'on met le poids du corps sur le pied gauche. Donc on a un transfert du poids du corps. Maintenant qu'on a le poids du corps sur le pied gauche, on fait une pause, et on peut repartir marche, du début. Donc sur les comptes, ça veut dire qu'on aura fait notre sailor step directement, notre touch du clap, et le stomp, et une pause. Sur les comptes, on va faire 7 et 8 sur le sailor step. 7 et 8 et 9, 10, une pause. Ou si on compte, au lieu de 9, 10, on va compter 1, 2, 7, 8, 7 et 8 et 1, 2. Et on repart, marche. Maintenant, on va quand même enchaîner notre dernière section avec ces deux fameux temps. On a le poignet sur le pied droit et on démarre le lockstep avant gauche. 7 et 8 et 1. Et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, et 1, 2 et marche, on repart. On fait notre premier mur et pour la forme, on enchaîne les 4 murs sans s'arrêter. Votre corps qui gauche, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à gauche, 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, et pause, marche, mambo step, gauche, droite, coaster step, pointe en arrière, pointe en avant, triangle, 6, 4 de tour et touch, à gauche on ramène, gauche, touch, droite, heel, back, heel, triple step. Rock step, sailor step. Rock step, sailor step, touch, step. Pause. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à gauche. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8 et 2, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 7, pause et marche. Alors, il n'y a pas de tag, pas de restart, mais il y a une fin. La fin qui est prévue par le chorégraphe, qui termine vers 6h, la danse, et on va rester vers 6h. N'essayez pas d'aller vers midi, le chorégraphe a fait la fin vers 6h. On finit notre mur, en fait, on fait notre touch et clap avec le stomp. On ne fait pas la pause, et on fait directement à nouveau clap, stomp, clap, stomp. Avec les comptes, ça nous fait, si je démarre directement du touch et clap et stomp, de la fin de la danse. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si on fait notre dernière section, rock step avant gauche, et on fait la fin, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'introduction, les deux temps qu'on a en plus dans la chorégraphie, on va les retrouver dans l'introduction. Du coup, l'introduction fait 16 temps.
plus 2 temps, donc 18 ans. Donc je vais vous compter 5, 6, 7, 8, 7 suites.